la perte de l'étrave. C'est un gros coup au moral. Je pense qu'en reconstruisant le bateau, on se reconstruit aussi. Il y a déjà eu une révolution aussi importante dans la voile. C'est beaucoup plus dur qu'une Jaguar. Faut pas croire que ça va être une course facile. Tout le monde disait ça marchera pas le vol au large. Et là on vole vraiment au large, donc c'est fabuleux quoi. On fait pas ça pour la facilité, on sait que ça sera difficile. Avec des conditions météo, avec de la tactique, de la stratégie qui va évoluer en permanence. Avec des concurrents qui ont du répondant. C'est cette difficulté qui nous anime le matin lorsqu'on se réveille.